Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Marine qui va nous parler de son engagement dans son école d'ingénieur à l'ANU. Bonjour, moi c'est Marine Février, donc je suis en deuxième année d'électronique à l'ENSAT et je suis présidente de l'AEE, Association des élèves de l'ENSAT. Donc notre BDE quoi. D'accord, et du coup qu'est-ce que tu fais particulièrement? Enfin tout d'abord qu'est-ce qui t'a donné envie de faire partie de l'association et en plus d'être présidente parce que c'est pas rien. Ce qui m'a donné envie, alors à la base c'est plus ou moins par hasard, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les gens. J'aime bien avoir du contact avec les gens et m'amuser. Et ça m'a donné envie parce que je connais pas mal de membres de l'ancien AE. Et de fil en aiguille, parce qu'ils avaient besoin de monde, de motiver, j'ai créé ma propre équipe et je me suis lancée. Donc ce qu'on fait déjà, on fait plein d'événements pour les étudiants, on gère tous les clubs, on a 24 clubs au total cette année. Et on fait beaucoup de choses, donc il y a le week-end d'intégration, l'intégration des premières années, on commence par des campagnes pour être élu. Génial. Puis après quand on est élu, on fait tout ce qui est... Les clubs, c'est une grosse partie parce que c'est toute l'année. C'est vraiment la coordination des clubs dans les fêtes. Donc il y a la cafette pour la vie étudiante, on va dire, pour boire son petit café, son petit thé. On a de la direction. Et normalement, on fait le lien entre la direction et l'école. Entre les autres BDE de l'ANU aussi. Pour, donc IUT, aussi. IUT, EVI, un petit peu les BTS aussi. Un peu moins parce qu'ils sont un peu à part, mais voilà. Donc on a 3 soirées en commun dans l'année. Donc Halloween que nous préparons, Noël c'est UT qui prépare, et à Saint-Valentin fait par l'UCI. Donc voilà, après vraiment notre but c'est que les élèves ne s'ennuient pas à l'ANU tout simplement, qu'ils aient des contacts les uns avec les autres, qu'ils restent pas enfermés chez eux. Et du coup, toi tu le sens comment ton engagement? Tu trouves que ça te prend du temps? T'aimerais y consacrer davantage de temps justement ou... Ça prend beaucoup de temps. Alors je suppose que ça dépend d'une personne à l'autre, mais c'est vrai que moi j'aime bien passer mon temps dans le local à travailler sur des projets. Alors moi j'adore passer du temps à faire ça, mais j'aimerais pouvoir en faire plus, toujours plus, mais on peut pas tout le temps. Après c'est pas du temps gâché, c'est pas du temps qu'on perd, on apprend réellement, je pense. Moi en tout cas en tant que présidente, j'ai l'impression d'apprendre. Et justement pour être présidente comme ça d'une association des étudiants, enfin, c'est quand même quelque chose de conséquent, donc on l'a compris, tu prends beaucoup de temps, tu dois être un peu sur tous les fronts. Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités particulières qu'il faut détenir ou des compétences Un petit peu quand même. Je sais pas si c'est des qualités à avoir de base, je pense que ça se travaille quand même. Savoir prendre la parole, c'est tout bête, mais faire un amphi devant 200 personnes, bon j'exagère, une centaine, mais quand même savoir faire ça, ça c'est peut pas faire aimé. Un peu peur. Oui, ça fait un peu peur, ça se prépare, je suis pas la meilleure là-dedans non plus, hein. Ça se prépare, savoir, faut avoir un caractère. Si on se laisse manger, marcher dessus, à un moment ou un autre ça va être compliqué. Okay. Personnellement j'essaie de faire attention entre... Marine, l'étudiante en jouet qui fait des câlins et des bisous à tout le monde. Je suis un peu bisounours sur les bords. Et Marine, la présidente de l'AE, qui se doit d'être ferme et de dire non, oui, et d'avoir des réponses justes. Oui. On peut pas dire, ah lui je l'aime bien, je vais être d'accord avec tout ce qu'il dit. Lui je l'aime pas, je vais penser que tout ce qu'il dit est faux. Enfin, faut se faire la part des choses. Il faut être organisé. Et du coup, à la fin de l'année, ton mandat de présidente va s'arrêter parce que c'est un an. Oui. Et alors après, est-ce que tu aimerais continuer à t'engager dans la vie associative? Peut-être que tu es déjà engagée en dehors de l'ENSAT dans le domaine associatif. Un petit peu. Je suis un peu dans l'humanitaire. Là, pendant les vacances, je suis partie un mois au Bénin pour du caritatif. C'est vrai que j'aime bien m'engager. Je m'étais renseignée par rapport au don du sang pour les aider. Je sais que, par exemple, là, il y a la course contre la faim qui va se faire. J'aime bien participer à ce genre de choses. J'aime bien aider. J'aime bien avoir du contact, de nouveaux horizons, donc oui, je pense que je continuerai là-dedans sans aucun souci. Dès que j'ai un petit peu de temps, quoi. Oui. C'est à peu près ça. Donc, j'ai pas d'idée fixe dans quoi je vais me lancer, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Ok. Merci à tous. Merci. Et merci Marie. Au revoir.